Jean-Claude. Bon, merci beaucoup déjà d'être aussi nombreux ce soir. Ça me fait très plaisir. Et je dois vous dire que c'est la première fois que je monte sur scène et donc j'ai un peu le trac. Donc, je vous serais gré de bien rigoler à mes blagues. Merci. Et puis, bon, si jamais c'est nul, bon, bah, vous n'en faites pas, on vous remboursera pas. Donc, je voudrais savoir s'il y a des gens ici qui auraient Facebook. Putain, le but c'est de vous chauffer là en fait là. Allez, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont Facebook? Super, rien à foutre. Est-ce qu'ici il y a des gens qui n'ont pas Facebook? Tout seul. En vrai, vous savez pas ce que vous ratez. Genre, les chaînes, tiens. L'autre jour, je vois une image, une espèce de gamin africain, je sais pas, ça ressemblait en fait plus à un alien qu'à un gamin. Et puis en dessous, un petit truc écrit du genre si tu aimes cette photo, cet enfant survivra. Mais si tu ne l'aimes pas, alors un petit panda chinois va mourir dans d'atroces souffrances. Et tu le regretteras toute ta vie. Ben moi, je m'en fous, j'ai pas liké. Hein. Enfin, ça se trouve, j'ai pris des risques. Hein. J'imagine bien le jour J devant Saint-Pierre. Est-ce que tu as liké la photo du gamin? Quoi? As-tu liké la photo du gamin? Mais putain, c'est quoi? Et là, il y a le gamin qui se fout de ma gueule. Et le putain de panda chinois qui est là en mode je t'ai bien niqué, enculé. Bon. Ok, pourquoi pas. Il n'y a pas que ça, en plus, les chaînes. Il y a aussi ces petites phrases toutes faites, pseudo-philosophiques que les gens ils partagent sur ton mur alors que t'en as rien à foutre. L'autre jour, je vois un truc, je vois. Les médecins peuvent deviner une maladie à l'odeur. Ok. Enfin, perso, je suis pas tout bib et je peux très bien te dire que si t'as le cancer, ça sent le sapin, hein.